Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi 26 août et c'est parti, il est 18h15. Je rentre comme d'habitude de ma petite promenade. Là, il est, j'ai débouché plus tard, j'ai fait 9h-17h aujourd'hui. Donc la promenade a été plutôt rapide. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je viens juste pour vous montrer ma lecture en cours. Je vous laissais avec une lecture sur liseuse la semaine dernière. Je suis toujours dessus parce que pour moi c'était hier, comme d'hab. Donc c'est La Terre des Oubliés, le tome 2. Donc le tome 1 c'était pour le meilleur et là le tome 2 c'est et pour le pire. Donc c'est de Manon Ginoux et donc je le lis en service presse avec Plume de Marmotte, les éditions Plume de Marmotte. Et j'aime beaucoup. Alors là pour l'instant on était sur donc on est sur une histoire de magie avec Elisa et Teddy. Donc Elisa est dans une école un peu à la Harry Potter, hein, où ils apprennent la magie, apprendre à maîtriser les sorts, les pouvoirs, tout ce qu'ils peuvent faire avec leur pouvoir. Et voilà, elle se construit son petit monde. Et puis, je peux pas trop vous en dévoiler, mais il se passe quelque chose qui va faire qu'elle va perdre ses pouvoirs. Et elle décide de tout abandonner, de tout quitter, sa famille, ses amis, le monde de la magie, pour aller sur la planète Terre. Et voilà, il se passe des choses. Donc, il y a tout le tome 1, bien sûr. C'est une duologie, je sais plus si je l'ai dit. Mais voilà, le tome 1, je l'avais beaucoup, beaucoup aimé. Je lis très peu de romans. Fantasy sur la magie et du coup j'apprécie beaucoup en lire de temps en temps. C'est vrai que c'est pas non plus un domaine qui revient souvent en tout cas dans mes lectures, dans mes choix de lecture fantasy fantastique et c'est très agréable, j'aime beaucoup et du coup voilà, donc j'ai commencé cette histoire la semaine dernière. J'avais fait une petite pause pour terminer Les Détectives du Yorkshire, le tome 8. Et donc là, je suis pleinement dedans. Alors, c'est en deux parties. On a la première partie où on est 7 ans auparavant. Mais c'est les 7 ans après quand même le tome 1. Donc, il s'est passé 7 ans. Et là, je suis dans la deuxième partie où on est vraiment 7 ans plus tard, quoi. Donc, voilà, c'est bizarre. La transition m'a perturbée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais bien dans le truc, voilà, un petit peu longué dans la première partie, pour vous dire un petit peu mon ressenti. Donc voilà, un petit peu longué, un petit peu, je me disais, ouais, bon, faut que ça bouge. Et puis, paf, deuxième partie, 7 ans plus tard, et là, on est dans carrément autre chose. C'est surprenant, oui, ça m'a vraiment surpris, mais voilà, je suis repartie dans la deuxième partie, et j'ai hâte de voir cette... Ce lien qu'il va y avoir avec le 7 ans après, parce que je suppose qu'il va y avoir quand même quelque chose qui va expliquer ce retour en arrière, comment elle a fait pour peut-être retrouver ses pouvoirs, pour retourner sur sa planète d'origine, enfin bon, voilà, retrouver son frère, ses amis, etc. Donc voilà, c'est du jeunesse. Et les deux tomes sont déjà sortis en librairie et en e-book, donc c'est déjà disponible si jamais vous êtes intéressé. Pardon, je bégaye. Mais voilà, moi en tout cas, c'est une petite duologie que j'aime bien. À voir comment ça se termine, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ma lecture en cours. C'est tout ce que j'ai à vous dire de toute façon sur cette lecture. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Petit point, série lecture. Série hier, dimanche, j'ai continué de regarder Lost. Je vous disais que j'avais commencé à regarder cette série qui date de plusieurs années. Et du coup, je continue tranquillement. Je suis toujours dans la saison 1. Je sais plus d'ailleurs combien d'épisodes. Après, on a été se promener. Et hier soir... Ah oui, avant de continuer Lost, j'ai terminé une série que j'avais commencé il y a bien longtemps, que j'avais mis en pause. Je ne sais plus pour quelle raison. C'était Ne t'éloigne pas. Une série basée sur un roman d'Aaron Coben. Et il me restait deux épisodes à regarder, donc je les ai regardés hier. Et j'ai bien aimé cette série. Pareil, un peu comme celle d'avant que j'avais regardée. Il y en avait deux sur Netflix. Je ne saurais pas dire le titre de celle d'avant. J'avais bien aimé. Et en fait, là, les deux séries, c'est les mêmes acteurs,
mais qui jouent des rôles complètement différents. Donc j'avais fait une pause entre les deux séries quand j'ai vu que c'était les mêmes acteurs parce que j'étais encore dans les personnages de la première série. Donc c'est des mini-séries de 6 épisodes de 1 heure, donc c'est assez long. Mais ouais, c'était sympa, un petit thriller bien, bien cool. Et là, j'étais grave, grave surprise de cette fin. Donc c'est agréable d'être surpris comme ça. Donc j'ai regardé ça, ensuite j'ai repris Lost. Et après la sieste de mon conjoint, on a regardé deux films. On a regardé Ça 1, donc le chapitre 1 de Ça, de Stephen King. Moi, j'avais déjà vu le 1, mais j'ai pas vu le 2. Et en fait, là, ils ont mis les deux sur Netflix. Donc, on s'est dit, on va regarder le 1 et le 2 après. Bon, moi, j'ai lu et vu le 1 et j'ai pas vu ni lu le 2. Donc, voilà. Et quand on a regardé ça, on a bien aimé. Après, on a regardé Contagion. Donc, moi, je l'avais déjà vu aussi, mais je m'en souvenais plus. Mais c'est en le mettant, je me suis dit, ah oui, je crois que j'avais bien aimé. Donc, du coup, on l'a laissé, on a regardé. C'est, je crois, sur le virus du Covid, hein, il me semble. Parce qu'il parle du H1N1 et tout, du vaccin. Et c'était très sympa aussi, vraiment, dans l'ambiance angoissante de ce virus qui a fait tant de morts. Donc, c'était sympa aussi. Il y a Kate Winslet, il y a Matt Damon, il y a Jude Law. Il y a pas mal d'acteurs. Il y a Marion Cotillard aussi pour le côté France. Enfin, elle fait une chercheuse ou une médecin, je sais plus, en Suisse. Donc voilà, c'était bien sympa. Et puis après, on a regardé. Ils voulaient mettre ça deux, mais je me suis dit non, là ça fait trop ambiance. Et puis il était 22h, je me suis dit non, on va pas commencer ça maintenant. Et on a regardé la fin d'un film qu'on avait mis en pause il y a v'là le temps. C'était The Fables Man. Non, The Fablemans. C'est un nom de famille. Et en fait, c'est sur l'enfance de Steven Spielberg. Donc voilà, c'est inspiré de ça, inspiré de son enfance. Donc après, je sais pas ce qu'est la part de vrai, la part de fiction. Mais on a bien aimé. Donc il dure 2 heures et quelques. On l'avait commencé, j'avais pas trop accroché, et là la deuxième partie, j'ai grave accroché. Donc c'était bien sympa. Donc trois petits films que j'ai appréciés, donc c'est cool. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On a fait ces trois petits films. Je vous ai fait mon update de lecture et je crois que j'ai rien de plus à vous dire. Ah oui, si, j'ai commencé. Je vais faire une pile à lire, mais il faut que je m'organise pour savoir à laquelle je suis en septembre, octobre, novembre, parce que j'ai décidé. Alors, ça fait un moment que j'avais décidé ça, je voulais le faire au cours de l'été, mais finalement, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais j'aimerais bien me reprendre des challenges avec des catégories. En fait, tout simple, que tu fais tout seul de ton côté. Avant, j'en faisais énormément, je mettais tout dans ce carnet, tout ce qui va être. Après, c'est peut-être parce que c'est automne-hiver, l'été, j'en fais moins en général. Mais tout ce qui va être challenge, lire en fleurs. Là, enfin, je regarde mes anciens challenges. Des fleurs et des livres. Bon, voilà, il y a plusieurs catégories, c'est souvent les mêmes. Donc, c'est pour ça que j'avais arrêté pendant. Là, peut-être, ça fait 2 ans. Ouais, au moins 2 ans que j'ai pas fait de challenge comme ça. J'avais fait un petit peu la bataille livresque, le boucle en tas, tout ça, mais. C'était pas pareil, c'était pas des thèmes, des catégories qu'on doit remplir. Là, vous voyez, bon, j'ai réécrit fail dessus, mais c'est comme ça. Des petites catégories, et puis après, on complète, on complète pas, on s'en fout. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'équipe. Voilà, j'aime bien ce genre de challenge, mais là, j'ai envie de challenge solo, tranquille. Et c'est toujours roman avec alternance passé-présent, une couverture rose. Des trucs tout con, tout simple. Donc ça, c'était pour le printemps. Et donc là, je me suis dit, je vais faire le Pumpkin Autumn Challenge, qui est très 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 connu. Et la dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2022. Donc voilà, pour vous dire, j'essaie de le retrouver. Je sais plus où il est. J'avais fait le Frosty Challenge, mais ça, c'est à Noël, en 2022 aussi. Et puis voilà, j'avais arrêté parce que justement, je trouvais que c'est toujours la même chose. J'avais plus de plaisir. Et là, j'en ai l'envie. Ça, c'était en 2022. Le pumpkin. Voilà, j'avais fait plusieurs trucs. Et là, du coup, j'ai repris. Je me suis refait un pumpkin hier.
avec la première partie, la deuxième et la troisième. Donc j'ai mis au crayon de papier ce que je mettrais dans cette catégorie-là. Donc c'est un espèce de brouillon, hein. Je l'ai mis comme ça, tout peut changer. Mais du coup, je sais pas comment vous montrer ma pile à lire, ou alors est-ce que je vous montre pas de pile à lire pour septembre? Ou alors est-ce que je pioche genre 5 livres de mes 12 livres? Parce que là, j'ai mis 12 livres. Je vais lire plus que 12 livres en 3 mois, je pense. Donc, sachant qu'il va faire plus froid, etc. Bon, cette semaine, ça va remonter à 30, mais après. Voilà, donc le challenge commence le 1er septembre. Donc là, on est le 26, j'ai dit. Ouais, donc ça a bientôt commencé. Donc vous le saurez dans cette vidéo-là. Je referai peut-être une présélection de ce que j'ai envie de lire en prio en cette fin d'automne. Parce qu'il y a des trucs un peu plus fantômes, tout ça, que je vais peut-être plus garder vers octobre-novembre. Donc voilà. Je dois faire une LC avec Elodie. On doit lire Les Sorcières de Pendles. Donc ça va correspondre aux sorcières dans un des thèmes. Et je dois aussi lire le tome 3 de Olivier Ball, Méfiez-vous des anges, avec la belette stéphanoise. Faut que je vois avec elle quand est-ce qu'elle veut qu'on se cale ça. Mais voilà, bon, je parle pour rien dire. C'était juste pour vous montrer que je faisais ce petit challenge. Et je vais faire une petite sélection quand même. Et je reviendrai vers vous plus tard dans cette vidéo pour vous montrer ma pile à lire de septembre. Je vais peut-être prendre 4-5 livres. Soit 4 livres, 4-5 livres que j'ai pioché là, que j'ai prévu pour la tel menu. Et puis des romans hors pumpkin pour mettre un petit peu de gaieté, un petit peu. Bon, en gros, c'est assez ouvert comme catégorie, hein. Il y a plein de trucs. Il y a plein de thèmes. C'est pas forcément sorcière. Tu lis que des trucs de sorcière. À côté, il y a aventure, amour, machin. Alors aventure, ça peut être un road trip. C'est vraiment, on s'en fout. Puis. On doit rendre de compte à personne. Enfin, c'est. Voilà, tu fais ton challenge. Si tu remplis pas ton thème, on s'en fout. Enfin, c'est vraiment libre. Et du coup, voilà. Il y a des groupes de discussion, bien sûr. Il y a des échanges. Si on a envie de quand même de partager, ce qui est aussi le but des challenges. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans. Et je vais préparer ma petite pile à lire. Et je reviendrai vous la montrer. Peut-être que je vais faire ça demain ou après-demain. On va voir ça. Demain, il fait 30 degrés, donc je vais me poser un peu plus longtemps dehors. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas trop eu le temps. Voilà, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me doucher, d'enlever mon truc. J'ai gardé mon truc de boulot. Nous. Bref, voilà, je vous laisse ici. Je vous dis à plus tard. Bonsoir, alors on est aujourd'hui jeudi et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pris le temps de faire ma vidéo pile à lire que je pense pas que je vais faire dans ce vlog là, mais du coup dans le prochain vlog. Donc on sera déjà au mois de septembre, mais bon, c'est pas très grave, je pense que vous allez vous en mettre tout simplement parce que, pardon.
J'ai pas pris le temps et puis voilà, c'est tout. Hier soir, je suis sortie, j'étais voir une collègue à l'extérieur. On a un petit peu traîné, on n'est pas rentré très tard, mais voilà. Et puis aujourd'hui, il y avait un pot de départ d'un collègue que j'avais mais complètement zappé, qui avait un pot ce soir. Je suis rentrée qu'à 18h, là, il est 7h moins 20. Donc du coup, j'ai pas le temps. Et en plus, j'ai un colis à vous montrer. Parce que du coup, je vous avais parlé, j'avais fait une commande sur Rakuten, je crois, dans un vlog, je crois il y a 15 jours ou un truc comme ça. Je fais une commande Rakuten de 2 ou 3 éditions Calmeister. Je m'étais dit que j'en achèterais plus parce que au début, je voulais faire la collection, en acheter un par mois ou tous les 2 mois régulièrement. Et en fait, j'en ai acheté beaucoup, beaucoup. 2, 3 tous les mois pendant un temps, sauf que je n'en lis pas tant que ça. Alors qu'ils m'attirent tous, mais je sais pas, ils sont dans un coin, ils sont groupés. C'est pour ça que souvent dans ma bibliothèque, j'aime pas regrouper. Parce que mon kiff, c'est de chercher. De chercher un petit peu partout dans ma bibliothèque. Et là, du coup, mes Calmeister sont regroupés dans une étagère là. Et du coup, c'est une étagère dans laquelle je ne vais jamais, jamais regarder. Alors que j'ai envie de les lire, je les trouve très beaux et tout. Bref, et un soir, je me suis dit, ah, je vais aller commander la suite de Meurtre sur la Madison que j'ai lu il y a un moment. Je faisais les vlogs déjà, mais c'était un tome 1, il y en a 3. J'avais bien aimé le tome 1, je m'en rappelle encore l'histoire à peu près. Et donc, je me suis dit, je vais acheter le 2. Et donc, du coup, j'ai acheté, je crois que j'ai acheté le 2 et le 3 et un autre, il me semble. Et donc, la nana me dit ok, machin, je vous les envoie demain. Et puis arrive c'était début août, donc ça fait même plus de 2 semaines que je vous en ai parlé. Je vous raconte ça, on s'en fout, mais je vous raconte quand même. Et du coup, je fais putain, mais on est le 16 août, j'ai toujours rien reçu, c'est bizarre, ça fait bien 10 jours. En général, c'est assez rapide. Donc j'écris à la fille, elle me fait ah, c'est vrai que c'est bizarre, comme vous n'avez pas fait un mondial relais et j'ai pris en lettres simples par la poste, donc tu payes quand même, je crois, 3 euros de plus que Mondial Relais. Et pas de nouvelles, pas de suivi, rien du tout. Donc j'ai fait réclamation, gna gna gna. Et il s'avère que bah, j'ai été remboursée parce que la nana a donc perdu les livres. Enfin, la poste a perdu les livres. Donc la nana doit être dégoûtée, moi aussi. Donc j'étais frustrée. Et en fait, j'ai fait mince. Donc bon, je vais me les racheter, c'est pas grave. Mais. Du coup, je suis allée sur Insta après, j'ai été scrollée et j'ai vu une fille qui change de région, qui change tout, et elle a décidé de se débarrasser de ses livres. Et elle a demandé de l'aider. Donc moi, gentiment, je lui ai fait une commande. Et j'en ai eu, je crois, pour moins cher que de base sur Rakuten. Bref. Donc je vais ouvrir ça, si j'ai le temps avec mon conjoint, parce que rien n'est sûr. Niveau lecture, j'ai enfin terminé La Terre des Oubliés. Et j'ai passé un bon moment de lecture, même si j'ai quand même moins aimé que le tome précédent, le tome 1. Mais voilà, c'est une duologie très bien, qui fait très bien son job. Il y a de l'aventure, il y a du suspense, il y a de l'amour, il y a de l'humour. Et c'est bien fait, j'ai vraiment bien aimé. Mais ouais, un petit peu de longueur sur le tome 2. Mais voilà, très, très bonne duologie dans l'ensemble. Il faut que je fasse mon poste. Et voilà, donc là j'ai commencé juste ce matin le roman donc, de l'auto-édition de chez l'agence de Julie, je vais y arriver, dans lequel je suis un petit peu en retard aussi, parce que du coup j'avais programmé des lectures avec l'agence de Julie, une tous les 15 jours, en me disant, bon j'ai le temps de lire un papier entre les deux ou deux, un livre papier. Là je vais devoir enchaîner un petit peu vu que j'ai pris du retard, c'est les risques. Donc là, c'est un thriller psychologique, Là où sombrent tes secrets de Céline Bréhant. Et pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire, j'ai lu que le chapitre 1, comme vous pouvez le voir ici. Et il y a 332 pages, donc j'espère me le lire rapidement, mais bon, je vais arrêter de me répéter à ce sujet. Vu mon rythme en ce moment-là, c'est n'importe quoi. Demain, en plus, demain soir, il y a le pot de fin de saison à mon travail, comme il y a beaucoup de saisonniers. Du coup, pot de départ de 17h à 20h. Et bah, du coup, je vais y rester. Je sais pas trop jusqu'à quelle heure. Et après, ça prolonge la soirée à Jarre-sur-Mer. Pour ceux qui veulent dans un bar d'ambiance, je sais pas quoi. Au début, je voulais y aller, mais en fait, je vais peut-être pas y aller parce que
faudra se motiver à y aller après, tout ça. On verra. On verra, on verra. Donc là, j'ai pris 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est vrai. 6 livres. C'est la première fois que je commandais sur Vinted. Et je déteste faire par Mondial Relais, je ne sais pas pourquoi. En fait, ça me saoule d'aller chercher mes trucs. J'aime bien les recevoir à la maison. Puis en fait, là, j'ai pris un truc j'ai trouvé sur la route de chez moi. Enfin, quand je rentre du travail, ou alors je peux prendre mes craquettes aussi. Donc, du coup, c'est impeccable. Alors, je vous montre rapidement. Je vous lis pas les résumés, hein, c'est juste pour vous montrer comme ça. J'ai pris un Nicolas Lebel, L'heure des fous. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé si c'était des trilogies, des sagas, des trucs, tout ça, j'ai pas du tout pensé. Je crois que j'ai même jamais lu de roman de lui. Je crois pas. Mais je vois qu'il y a une suite parce que c'est dans le même format. Je vais me renseigner là. Je les ai même pas rentrés sur Libradict, rien. Après, j'ai pris celui-ci, Tu tueras l'ange. Donc ça, je sais que c'est une suite. J'ai déjà le tome 1, Tu tueras le père, que j'ai dans ma pile à lire depuis 100 ans. Qu'il faut que je le lise. Tu tueras père, tu tueras l'ange. Et après, tu tueras le roi. Je crois que c'est ça, c'est une trilogie. Il me semble. Hein. Je ne suis pas du tout sûre du troisième tome. Mais j'ai toujours entendu que du bien de Tu tueras le père, le tome 1. Donc j'ai pris le tome 2. C'était pas très cher. Ensuite, j'ai pris Le mystère Caravage de Peter Dan. Chez Pocket. Et alors, il a écrit précédemment. Ah, oh, j'ai la couve en tête, mais je ne me souviens pas. J'ai que le mystère Caravage en tête. Mais il a écrit. Ah, Le mystère Jérôme Bosch. Qui, pareil, est dans ma pile à lire depuis 100 ans aussi. Sans exagérer, hein, je vous promets. Et du coup, c'était Séverine du Continuer bien ce livre qu'on avait parlé du mystère Jérôme Bosch. Qu'il a vendu, elle l'a adoré. Donc je l'avais acheté, je crois, à Emmaüs. Et ça, c'est son tome 2. Et c'est très culturel, dirais-je, je crois, que le mystère Jérôme Bosch, c'est sur un peintre, il me semble, ou c'est celui-ci. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est plus historique, voilà, culturel. Vous m'avez compris. Ensuite, j'ai pris L'audacieux Monsieur Swift de John Boyne. Ça, c'est pas du tout. Je sais pas, il m'a. Le titre et la couve m'ont attiré pourtant. J'aime pas trop quand il y a des êtres humains sur les couves. Mais bon. Je me suis dit pourquoi pas. En plus, en 1988, c'est mon année de naissance. Dans un hôtel berlinois. Voilà, c'est les premiers mots. Moi, je prends. Voilà. Ensuite, j'ai pris le début d'une saga qui m'intrigue. Oh là, celui-là, il est très, très, en très mauvais état. Hein. C'est une saga de Camilla Läckberg. Je connais pas du tout. Et donc, j'ai pris Le Prédicateur et Le Tailleur de Pierre. Je ne sais pas trop si c'est des. Enfin, quel tome c'est. J'ai rien regardé du tout. Ah voilà, tome 1, La Princesse des Glaces. Tome 2, Le Prédicateur. Tome 3, Le Tailleur de Pierre. Donc là, j'ai le tome 2, le 33. Et j'ai le tome 1, La Princesse des Glaces, dans ma bibliothèque. Que j'ai lu il y a très, 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 très longtemps. Je n'ai pas trop souvenir. Mais quand j'ai déménagé et que j'ai refait ma liste, j'avais noté que je ne l'avais pas lu parce que je voulais le relire. Parce que je savais que c'était un tome 1. Et que j'avais bien aimé. Et du coup, j'ai pris le tome 2, le tome 3. Voilà, une envie, encore une saga qui m'attend sagement. Donc voilà, mes achats. Alors que je vous avais dit dans le vlog, je ne sais plus lequel, que je n'achèterai plus suite à ma carte cadeau, blablabla, blablabla. On peut compter sur moi, mais je suis honnête. Franchement, je le pensais sincèrement, hein, que je n'achetais plus parce que j'avais plus de place. Mais c'est vrai, hein, je vous promets, c'est vrai. Il va falloir que j'achète une étagère que je mettrai là. Et puis, ben voilà, on va racheter. Et puis, il y a de la place. On va racheter. Et puis, c'est tout. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire donc, pour aujourd'hui. Je suis désolée, du coup, pour ma pile à lire. J'ai vraiment, vraiment pas. J'y ai pas du tout repensé, en fait. Mais vraiment pas.
Donc, faut que je la fasse. Et puis, bon, voilà, je suis dans ma lecture, la tasse d'oublier, parce que j'étais obnubilée par ça, par mes deux lectures SP, là. Et donc, voilà. Donc, là, je vais me mettre à lire ça. Et puis, ben voilà. On a regardé hier la fin du film, parce qu'on l'avait mis en pause, parce que c'est super long, le chapitre 2 de ça, sur Netflix. Et c'était bien. Bon, pareil, j'ai préféré le 1. Mais c'est quand même super bien fait. Hein. Le clown fait vraiment peur quand même. Il y a des scènes assez dingues. Et ça reste l'univers de Stephen King. C'est vraiment marrant et c'est chouette de retrouver son univers à l'écrit comme à l'écran. Un peu dingos, un peu surnaturel, un peu. Tous ces passages sur tous les personnages dans les films, c'est pareil, tu le ressens. Cette lenteur. Quand il explique tous les personnages de Derry, et dans le film, tu le ressens aussi. Enfin, ah, je sais pas, j'aime bien, quoi. J'aime bien le King. Ouais, c'était chouette. Et puis, ben voilà. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui et je reviens à mon avis. Ce week-end, on reste là, on fait rien. Donc demain, je reviens pas parce qu'il y a le pot de départ. Après, je rentre. Samedi, dimanche, on fait rien. On va rester ici. Donc, bah, ça va être promenade et lecture au programme. Et apéro, apéro dînatoire. Je pense souvent on se fait ça le vendredi soir, samedi soir. C'est un peu n'importe quoi. Mais on profite et c'est le principal, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, donc à mon avis, je reviendrai pour conclure. Ce sera la prochaine vidéo. Pour conclure ce vlog. Bref, vous le saurez bien assez vite. Je vous dis à plus tard. On est dimanche matin, donc je viens conclure ma vidéo, hein, comme d'habitude. Donc, hier, on a été se balader. J'ai pas fait... Ah ben si, j'ai fait une vidéo, je suis con, de cracra qui se baigne. Passionnant. Mais du coup, il faisait grave chaud, donc on n'a pas traîné longtemps parce que ouais, il faisait vraiment lourd, lourd, lourd. Et il n'y avait pas de vent, donc on s'est dit, pour le coup, j'aime pas mon appart parce qu'il est super froid et qu'il n'y a jamais le soleil. Mais là, on s'est dit, on va rentrer. Et en fait, on a fait le ménage à fond. À fond, à fond. Et du coup, j'ai pas trop, trop lu, vous en doutez. Ah merde, il y a un toutou. Oui, il y a trois toutous. Bon, je reviens. Bon, je me suis dit, il fait pas beau, il y aura personne. Il y avait quatre chiens. Non, viens par là. On va pas avaler les toutous. Enfin bon, voilà, bref. Donc je n'ai pas beaucoup lu, mais je suis à 47%, bon, à la moitié, on va dire, de là où sont brotés secrets. Pour l'instant, je n'avance pas trop vite parce que je suis pas à fond dans l'histoire, on va dire. Je suis un peu mitigée, mais je pense que là, ça commence à bouger. Ce matin, je me suis réveillée à 6h du mat. J'ai continué un peu de lire et je me suis endormie, mais ça commence à bouger un peu. Donc je crois que je vous ai pas lu le résumé, je vais vous faire un résumé à ma façon. Donc là on va suivre Clémence qui est dans la vie active. Et en fait on s'aperçoit qu'il s'est passé un truc dans son passé. Et je vais serrer dans ce t-shirt. Et du coup en fait on a des flashbacks de 15 ans avant. Et quand elle avait 15 ans, quoi, en gros, elle était au lycée, ils étaient partis
dans un espèce de camp de vacances. Et elle était assez méchante, assez espiègle, un peu genre un peu harceleuse quoi. Le genre de copine qu'on veut pas avoir, ou du moins qu'on veut pas avoir à dos, je pense. Enfin bref, donc elle décide d'aller dans la nuit, de quitter le campement avec sa meilleure amie Mila. Et elles emmènent de force une petite fille, Maëlle, qui est vachement solitaire, qui est vachement renfermée, et elles se disent en gros que c'est la cible idéale. Et elle la force un petit peu à venir, elle pleure et tout, bref. Ils traversent une forêt, elle veut pas, finalement ils rejoignent un gars, ils picolent, machin. Et elle, la petite Maëlle, elle craque, elle est en pleurs avec son petit nounours, et puis elle dit c'est mort, moi je pars. Et elle part, sauf que cette Maëlle n'est jamais, jamais retrouvée. Il y a un torrent en bas, une rivière avec beaucoup de courant. Et bah, elle est réputée pour une espèce de légende qui dit que beaucoup de personnes seraient mortes dans cette rivière à cause des courants. Donc voilà, une enquête est ouverte, mais on suit en fait en même temps que le passé, le présent, ce passé il y a 15 ans, quand ils se font tous interrogés par les policiers, etc. Et donc là, il s'avère que d'un seul coup, Clémence a des nouvelles de Mila, donc sa meilleure amie, qui lui dit moi, je suis toujours rongée par les remords, c'est à cause de nous que Maëlle a disparu, machin. L'autre, elle a grandi et mûri, la Clémence, mais elle est toujours. Je pense que c'est pour ça que j'arrive pas trop à mettre dans l'histoire, parce que je la trouve exécrable, ce genre de personne que je comprendrai jamais. Des personnes méchantes comme ça qui prennent plaisir. Et bref, donc du coup, elle a un peu grandi, et pour elle, elle est devenue plus mature et tout. Mais elle a toujours ce côté méchant, quoi. Enfin, pour moi, c'est tout qui ressort. Et du coup, voilà, donc elle reçoit un message de Mila. Pardon, je m'égare. Je mets 3 heures à raconter le truc. Et puis elle la renvoie chier. Donc concrètement, fidèle à elle-même, elle lui dit ah, mais c'est bon, c'était il y a 15 ans, peut-être que tu passe à autre chose, fous-moi la paix. Elle raccroche, sauf que quelques jours plus tard, elle voit sur les réseaux le mari de Mila qui met une annonce comme quoi elle a disparu. Donc là, elle commence à dire, attends, c'est chelou, ça fait pile 15 ans que Maëlle a disparu, Mila disparaît, sans laisser de traces et tout. Et donc du coup, elle se dit, bah, à tous les coups, elle est repartie sur le lieu de vacances. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et Clémence décide de rejoindre Mila là-bas. Donc voilà, les souvenirs du passé refont surface. Donc j'en suis là. Donc c'est bien écrit, c'est assez addictif. Il y a des petits chapitres. Les chapitres sont pas très longs. Sur les os, il fait 332 pages, mais des fois je lis 3 pages, je suis toujours pas la même page. Donc ça avance pas trop. Donc il doit y avoir plus de pages. Je dis ça dans le sens où il doit y avoir plus de pages en format papier. Et puis ben voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce roman. Voilà, ça reste un petit peu longué parce que là ça commence tout juste à bouger, mais et puis l'histoire d'il y a 15 ans commence aussi à évoluer, enfin ça continue dans le temps quoi, donc enfin dans les chapitres. Donc on va enfin comprendre un peu ce qui s'est passé, qui a menti, pourquoi, le pourquoi du comment, etc. Donc voilà, je suis là. Et je vous donnerai mon avis final. Bah, la semaine prochaine du coup, hein, désolé, j'ai pas trop avancé, mais bon, c'est pas très grave. Donc je vous laisse ici. Attendez, désolé, je fais ma vidéo en 3 fois. Il y a un monsieur qui me regardait bizarrement, et en plus il y a un truc qui vient de me refroidir. Il y a un nouveau tag derrière, il y a écrit violeur, on te voit. Bref, donc je disais, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, et que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end. Donc je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine et un bon dimanche si j'arrive à publier cette vidéo. Normalement je devrais y arriver. Là il est 10h je pense, donc ça devrait le faire. Donc je vous souhaite un bon dimanche
Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!